Le 2 octobre dernier, dans l'arrière-pays niçois, les vallées de la Roya et de la Vésubie ont été impactées par des pluies diluviennes avec 500 mm de précipitations en 24 heures par certains endroits, des crues rapides et des laves torrentielles extrêmement destructrices. Les communes de la pointe est du département ont été particulièrement touchées et en particulier Breil-sur-Roya, Roquebilière, Saint-Martin-Vésubie et Tende. Le débit de la Vésubie à Utelle est ainsi passé de 5 mètres cubes secondes à plus de 640 mètres cubes secondes. Une colonne d'eau de 6 à 7 mètres chargée d'embâcles a dévalé ces rivières dans la matinée du 2 octobre en détruisant les habitations et les bâtiments présents dans le lit majeur et sur les berges des cours d'eau. Ces crues ont occasionné des glissements de terrain et l'écroulement des berges. Ces violentes intempéries ont fait 10 victimes et 8 disparus et près d'une centaine d'habitations ont été détruites ou rendues inhabitables. Avant même la diffusion de la vigilance, les diffusions auprès des autorités, mais également maintenant depuis peu auprès du grand public, des cartes de phénomènes dangereux avaient permis, dès le mardi, vous rappelez que le principal de l'événement a eu lieu le vendredi, dès le mardi, nous signalions que la tempête Alex aurait comme conséquence que dans la journée de vendredi, on évaluait à 30% les chances qu'il se passe un événement de niveau au moins orange. Et dès le lendemain, le mercredi, on commençait à signaler que ce niveau de risque augmentait puisqu'on l'évaluait à 70%. Mais le fait de pouvoir à la fois communiquer avec les autorités bien avant même la vigilance, puis au moment de la vigilance, pouvoir lancer cette vigilance rouge, a permis, sachant qu'on avait commencé par un niveau orange, a permis de bien mettre non seulement en alerte les médias et donc le grand public, mais surtout de permettre aux autorités de positionner des moyens qui serait disponible pour mettre les populations en sécurité lorsque cet événement absolument dramatique a eu lieu. Le service de prévision des crues travaille à partir des données transmises par Météo France, qui sont principalement l'humidité des sols, la pluie, la neige, et ensuite des stations de mesure, de nos stations de mesure de hauteur débit des rivières. Ces données sont collectées toutes les heures et puis en urgence, en crise, on peut aller à 15 minutes, voire 5 minutes pour certaines stations. On va, à partir de là, faire une estimation des débits prévus dans les rivières. Et ces débits prévus, on va les transmettre à la préfecture, aux pompiers et à des partenaires locaux qui deviennent de plus en plus importants, qu'on appelle les SDAL. Les systèmes d'alerte existants ont permis d'informer les médias, les habitants et les collectivités territoriales dès le mardi qu'il existait un risque de crue prévu le vendredi. Le dispositif d'alerte est régulièrement amélioré et le projet PIX, en cours d'élaboration, devrait permettre de l'améliorer en permettant de mieux prévoir les crues éclairs. L'objectif du projet, c'est d'être capable de qualifier à l'avance à la fois l'intensité et les impacts qui vont être générés par ces crues, avec un niveau d'anticipation qui peut aller jusqu'à 6 heures. Donc, typiquement, le niveau d'anticipation visé est de quelques heures. Pour parvenir aux objectifs, il faut être capable en premier lieu, d'anticiper quelques heures à l'avance la localisation précise des cellules pluvieuses intenses qui vont former ces crues éclairs. Donc, quand je dis précise, il s'agit vraiment d'être à quelques kilomètres près, je dirais, de localiser les secteurs qui vont être touchés par les plus gros cumuls de pluie et d'être capable en plus de quantifier la quantité de pluie qui va précipiter. Les méthodes qui sont développées dans le projet n'ont pas encore été testées sur l'événement Alex. Mais néanmoins, on peut espérer qu'avec ces méthodes, on aurait été en mesure, suite à la mise en vigilance rouge du département des Alpes-Maritimes, on aurait été probablement capable d'identifier assez rapidement jusqu'à quelques heures avant la formation des crues, c'était principalement dans les vallées de la Roya, de la Tinée, de la Vésubie, que les crues les plus intenses allaient se former et que ces crues étaient de nature à générer des destructions majeures. Le projet PIX a démarré en 2018 et devrait s'achever en 2022. Il doit permettre à tous les acteurs de la gestion des risques de mieux localiser les phénomènes de crues éclairs, qui surviennent souvent sur des petits cours d'eau,
et ainsi de mieux prévenir les risques et minimiser les dommages occasionnés par ces phénomènes météorologiques.